Salut tout le monde, c'est Miros et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 8 de Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon, épisode 48 de la trilogie. La dernière fois on était arrivé au jardin de Midi et on avait fait le niveau de Sparks et le boss Buzz, j'allais dire Guz, mais non c'est Buzz, c'est pas la même personne. Donc on va aller ici, excusez-moi, je perds ma voix. Oh, mon ami Spyro, la sorcière a attrapé ce vilain oiseau qui faisait partir des fusées dans son usine de feux d'artifice. Je suis prêt à t'en confier la garde, mais tu dois payer ces énormes amendes. Non, quel pigeon. Enfin, je veux dire, je crois que c'est la chose la plus intelligente que tu n'aies jamais faite, Spyro. Et, bon, tu me comprends. Pas la peine que je continue. Oups, j'étais en train de boire. Excusez-moi. Je pensais qu'il allait parler plus longtemps que ça. Bird, James Bird. Sergent Bird de matricule 90068, à vos ordres. Je crois qu'il vaudrait mieux attendre les ordres de votre commandant. Hé, hey, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un bijou de technologie. Des lance-roquettes DBX-9, les plus récentes. Et pourquoi ne pas s'en servir pour s'évader? Parce que j'étais à court de munitions et je voulais les garder pour ça. Au fait, d'où viens-tu? Je pensais que les dragons avaient tous été tués il y a plus de 1000 ans. Eh bien, les rumeurs sur notre extinction étaient légèrement exagérées. On avait juste besoin de repos. Eh bien, si c'est de calme et de repos dont vous avez besoin, je vous conseille d'éviter mon monde un moment. Je pense que je vais mitrailler quelques rhinos par-ci par-là. Salut! Voilà, donc on a sauvé le sergent Bird avec ses fusées DBX-9. Hein, on dira Diablo X-9, ce sera plus facile à retenir. Les fusées Diablo X-9, bientôt en vente dans votre marchand de journaux. Donc on va aller dans la base du sergent Bird, c'est très original, hein. Alpe de Sheila, base du sergent Bird. Donc c'est parti mon kiki. Je dois entraîner les colibris. Ils doivent être au maximum de leurs conditions physiques si nous voulons affronter la sorcière. C'est parti. Donc nous prenons le contrôle du pingouin. Le pingouin qui peut tirer des fusées sur les gentils et sur les méchants. Mais de préférence les méchants. Et qui peut voler. Parce que c'est un pingouin, c'est connu, les pingouins ça vole. Bon sinon à part ça, parlons à ce colibri. Chef, voilà mon rapport. Hier à 18h45, les rhinos nous ont envahis. Nous nous sommes défendus du mieux qu'on a pu, chef. Mais sans vos instructions, nous n'avons pu mettre en place une véritable résistance. À 19h, le reste du groupe a été capturé et les rhinos avaient le contrôle total de la base. On peut chercher la merde ici, hein. Donc on doit aller sauver les colibris parce que c'est la guerre, tout simplement. Et je vais peut-être arrêter de faire l'accent de Marseille parce que sinon, il y a des gens qui vont pas être contents. Donc lui, là, il veut nous balancer des pots de fleurs. Ouais, je vais reprendre ma voix normale parce que bon, voilà quoi. Je peux te parler toi, oui. Merci, chef. Ok, t'as rien d'autre à dire. Au revoir. Moi, je monte. Salut. Ah merde, c'était un gentil. Ah mais je lui ai déjà parlé à celui-là. Alors par contre, il y a un truc qui est chiant avec le sergent Bird. C'est que quand il saute, eh ben, il peut pas se retourner. Enfin si, mais très lentement. Hop, hop. Voilà, j'ouvre la porte. Méthode sergent Bird, hein. Hop. Tiens. Aïe. Sale bête. Genre je peux pas les péter. Allez meurs. Oh putain, et c'est pas précis ces fusées par contre, hein. Comment je fais pour péter ça? Les fusées Diablo X9, elles suffisent pas. Bon bah tant pis. On va trouver un autre truc. Oh putain, il s'est visé lui. Tiens. Normalement il y a un mec qui se balade ici, par terre. On voit son trou. Bon, tu sors? Non. Ok, tant pis. Hop. Ok.
Chef, j'ai saisi les rations ennemies. Ils n'auront pas loin avec l'estomac vide. Oh ouais, on a sauvé Siegfried. J'entendais pas ce qu'il me donne un œuf. Tiens, on dirait un chao comme ça avec son œuf sur la tête. Les rhinos ont bloqué l'entrée de l'autre grotte avec une porte de sécurité. Et je ne pense pas que vous pourrez faire sauter cette porte. Je vous recommande de vous positionner sur les masses avant d'aller les placer sur les leviers de sécurité sensibles au poids des deux côtés de la porte. Une fois en position, il faut appuyer sur la touche carré pour placer la masse. Appuyez sur la touche triangle pour regarder en bas. Appuyez une autre fois pour regarder en haut. Ok. Mais laisse-moi repartir là-bas d'abord. Parce que j'ai vu une taupe. Et boum! Prends ça la taupe. On l'appellera René. Voilà. Bon, sinon, à part ça, retour aux choses à moitié sérieuses. On a des rhinos à buter. Merde, par contre, c'est vrai que les caméras sont inversées. Voilà. Ce sont des rhinos femelles. Je sais pas, vu le bruit. Ouais. Boing. Wow. Eh, ça, c'est de la maîtrise, mon pote. C'est qui le papa? Regarde, lui, là, il va pas comprendre ce qui lui arrive. Non, mais laisse-moi viser. Attention. Bon, merde, je peux pas lâcher, ok, tant pis. Hop, tiens. Bim. Attention, je descends. Boum, c'est bon, je t'ai eu. Tiens-toi, voilà. Hop, oh, oh putain, l'enflure. Vas-y, moi je m'en vais, moi. Oh, doucement, hein, les mecs. Hop là, esquive. Tiens. Bon, j'aime pas ces ennemis. Je pense que vous l'aurez remarqué. Ok, je te sauve. Voilà, tu es sauvé, ça fait 2 sur 5. Il y en a un là, normalement, ouais. Je sais pas si je peux l'écraser avec ça, ça serait marrant. Touk. Attention, le sergent Bird arrive. Boum. Ça a marché. J'ai pas l'impression. Bref. De toute façon, je crois que ça sert à rien ce truc là. Donc hop, on va se poser là. Oups. Boum. Voilà. La porte est toute verte. Il y a une légère tête chercheuse sur les fusées. Mais très légère. Ouh, salut toi. Tiens. Tiens. Et tiens. Voilà. Les fusées Diablo X9. Faites exprès pour les trickshots. Tiens! Voilà! Y'a rien là? Non! Hop, tiens, Sparks, c'est comme ça! Coopération! Alors, je prends ce joyau, je pète la gueule de ce méchant! Ok, il m'a pété la gueule en même temps! Ça c'est fait! Hop! Hop! C'est vrai que c'est le bordel quand même dans son monde, hein, au sergent Bird! Ah! Failli te rater, toi. Tiens. Nyaum. Hop. Et on est reparti par là-bas. Hop là, je t'attrape. Continuez comme ça, chef. On y est presque arrivé. Et je suis juste derrière vous. Ok. Alors, je vais juste prendre ça, si ça ne te dérange pas. Hop. Et je vais retourner par là-bas. Déjà, je vais te larguer ça dessus. Boum! Je crois qu'il a... Merde! J'en ai lâché deux! C'est chier! Là, voilà, toi, je te casse la tronche aussi. Vas-y, sors. Et kaboum! Pouf! Oh, en plein dans sa tête. C'était joli, ça, dis donc. Hop, on revient ici. Hop, allez. Boum. Oh, j'ai même fait un trou dans le sol. Oh, c'est trop magnifique. Voilà, moi je suis un fou, je casse tout. Et c'est là qu'il me demande d'avoir un missile pour la suite. C'est nickel. Hop,
Hop, voilà, toi t'es mort. Ah, mais en fait, ce mec c'est Neil Armstrong, regardez. Pouf. Je fais des sauts, mais de malade. Genre, je l'ai sauvé, je l'ai même pas touché. Je dis faux, faux, complètement faux. Prête pour les instructions, chef. Ok, mais je m'en fous. Repartons par là-bas avec notre ami Neil Armstrong. C'était ça, c'était Neil. Il y a tellement des Armstrong. L'astronaute, je pense que c'était Neil. Et attends, je vais péter la coccinelle là. Hop, voilà. Ça, ça fait un papillon. Et j'ai récupéré toute ma santé. Boing. Oh oh oh, ça passe. Nickel. Bon, lui, je le bouffe. Ça sert à rien, c'est pas grave. Bam. N'empêche, pour une coccinelle, quoi. Moi, j'y vais au missile. Les fusées Diablo X9 pour buter des pauvres petites coccinelles qui n'ont rien demandé. Hop, hop. Je vais reprendre ce truc là. Hop. Et je vais m'envoler. Hop. Ouh.